Bon, ben écoutez, j'avais filmé le rangement du dressing de mes filles. Et bien sûr, je n'ai plus de vidéo, je ne sais pas où elle est passée. Donc voilà, c'est un peu le zouk, je suis dégoûtée. J'ai filmé pendant moins de 30 minutes, il n'y a rien. Donc, ben écoutez, je vais vous reprendre où j'en étais. Donc, je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. Parce que j'ai tout perdu, je suis dégoûtée. En même temps, quand t'es pas doué, hein, j'ai envie de te dire. Comment je vais faire? Je vais tourner. Ouais. Bon, en fait, voilà. Là, j'ai mis les ensembles. Leggings, enfin, leggings épais. Jeans, enfin, jegging. Avec les pantalons un peu plus épais en dessous. Là, ben, ce sont les jupes. Là, c'est t-shirt manches longues et t-shirt manches courtes. Celui-là, il vient de Stokomani, si vous me demandez. Et le naf-naf aussi. En bas, à gauche, ben, les pyjamas que je garde. À droite, les survêtements parce que, bien sûr, l'école. Hein. Je vais vous montrer. Ça bloque. J'ai ma couche en vêtements qui bloque. Donc là, là, c'est les chaussettes d'hiver. Donc peut-être que ça, je vais les enlever. C'est même sûr. Là, les culottes, rien d'intéressant. Et les chaussettes. Donc, je vous montre un peu comment j'ai rangé. Et les collants, je les laisse parce que pour le moment, il ne fait pas non plus des températures de fou. Là, foulard, petite pochette, casquette. Donc, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Et là, chapeau. Voilà. Donc, là, on en était ici. Je suis dégoûtée, les gars. Là, alors. Côté gauche en premier, on a tout ce qui est combi short et robe. Voilà, là, t-shirt, blouse. Donc là, on a blouse, robe, manches longues qui sont fines qu'on peut garder. Là, les deux petits manteaux de la petite Toon que je garde pour le moment parce qu'elle a pas beaucoup porté et qu'il fait pas non plus voilà, 40 degrés. On est d'accord. Donc, du coup, on en était là. Là, si vous voulez, c'est tout ce qui ne va plus. Que je garde pas, alors ou que je vends ou que je garde pour la petite, comme j'expliquais, ma fille, la grande à 6 ans et la petite Toon à 9 mois, donc je garde ses habits parce que ça peut me servir. C'est les écharpes, du coup je bug. Les pulls que je garde pour la saison prochaine, enfin pour l'hiver prochain, et les pyjamas que je garde qui lui vont encore parce que là j'ai beaucoup de choses qui lui vont plus. Là, la grosse caisse, c'est tous les habits de la petite qui vont plus. Donc là c'est du 6 mois en priorité parce que le reste je l'ai déjà vendu et à côté on a les chaussures. Voilà. On va faire la boîte d'été qui me reste de l'année dernière. On va faire le point. Voir ce qui va, ce qui ne va pas. Je vais tout ce qui va plus, je vais faire sa soeur, ça c'est le mauvais rendez-vous.
Alors elle a celle-ci avec son prénom. Voilà, Juliana. Elle les a eu à Noël. Je les adore. Franchement, elles sont trop belles. Hors sujet, mais c'est les chaussures à sa petite sœur. Enfin, c'est les premières de ma grande qu'elle a eues, que j'ai gardées en souvenir et que je me sers pour la petite. Donc voilà. Alors sur Vinted, je lui ai pris des Converse. Voilà, trop belle. D'ailleurs, j'aurais pu y mettre aujourd'hui. Et elle a ceux-là, trois pommes. Je les adore. Elle les a eues en deux tailles différentes parce que les autres, elle n'a pas pu en profiter. Et là, les bottes. Petites bottines qui viennent de Besson. Trois pommes aussi. Trop, trop belles. Bon, abîmées sur le devant. Donc, je sais pas trop si ce que je vais en faire. Déjà, je vais les enlever du placard. Ça, oui. Mais regardez. Trop bien. Donc là, on est au top du top. Je suis contente. Depuis que je voulais le faire. On va ranger les petites pommes. Pas qu'elles prennent la poussière. Là, on a des pantoufles. Enfin, je les garde hein, parce que pour le prix. Enfin, on va racheter des pantoufles. Là aussi, Marie. Bon, mais vous avez loupé, je suis fan de Marie. Marie, entendez. Ah, bébé. Oh, elles sont belles ceux-là. Vous voyez, je vous retrouve des trucs. Elle les a pas mis, quoi. Mon Dieu. J'aurais dû mettre les bonnes baskets dans les bons trucs. Là, il y a des petites chaussures. Voilà. Je garde aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer au début, vu que ça avait coupé. Voilà. Jupe, short, leggings, pantalon. Là, j'ai mis les ensembles comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et là, pyjama.
jogging, parce qu'à côté ils viennent à grande boîte, que je mets les affaires de la petite quand c'est trop juste, quand c'est trop petit. Alors on a les robes, le blouse, le petit manteau, les chaussures dessous et les vestes. Je suis contente, les vestes, il y a quand même eu un bon tri. Même, vous savez ce que je vais faire? C'est beaucoup mieux, les vestes ensemble. Vous voyez? Ça respire au moins un peu. C'est pas mal. Bon, je pense que là, de toute façon, j'achèterai plus d'habits pour la grande. Je pense qu'elle a assez de choses. On se retrouve donc pour la partie 2. On va faire le dressing de la petite maintenant. Donc il y a vraiment du bordel sur le lit. On va pas en tenir compte, hein. Parce que là, après, je vais tout ranger en haut. Donc ça, je le ferai à la fin. Parce qu'en plus, il faut que je place tout ce qui va plus à la grande. Il faut que je trie si je vends ou si je garde pour la petite. Donc là, il y a pyjama. Peut-être que vous verrez pas, on est loin. Body, bandeau, pantalon, haut. Oh. Donc c'est rangé par taille. Je suis là. Donc du coup, voilà, on va faire déjà le tri 12 et 18. Comme ça, déjà, on va savoir ce qu'il y a en 12, ce qu'il y a en 18, parce que là... 12... Ça, c'est en fait, du coup... 18. 18. 12. Le 12, c'est sûr que je vais mettre en place. Je vais voir si j'ai besoin.
Des boîtes. Impeccable. Moi ça me voit pas, c'est pas bien grave. J'ai la tronche. Là, alors là j'ai quoi? Chaussettes collantes. Et là j'ai tout ce qui est linge et bavoir. Il faut aussi, je trie. Parce que les bavoirs j'en utilise plus comme avant quand je l'allaitais, que c'était régulier. Mais bon, ça. Pas trop, c'est pas très important pour vous, j'ai envie de vous dire. Le truc pas chiant. Hein. C'est du 24 mois, là, celle-là. Donc parfait. Pas sauter encore de suite. Et celle-ci. Mettre sur Vinted 12-18. Après, vous savez quoi? Allez, je vais le mettre là. Adidas taille très grand. Ça, c'est un peignoir pour l'hiver. Ouais. Écoutez, on va le mettre là aussi. Vous savez quoi, c'est que l'hiver. Oh, elle est trop mignonne. Je l'avais oubliée. Regardez comme elle est jolie. Trop mignonne. Ça, par contre, je vais le garder. Oh. Ah, j'ai des pyjamas. Ben, j'ai des pyjamas. J'ai cru qu'il y avait une bestiole. J'ai eu peur. Oh. Et vous savez quoi, je vais... Par contre, en 12 mois, j'ai pas grand chose en pyjama. Alors, on a acheté... Oh, c'est trop mignon.
Mais vous savez quoi? Je vais juste prendre ça. Et le reste, je vais le mettre en bas. Parce que je sais que c'est les prochains que je vais utiliser. Comme vous savez qu'en bas, je mets ce que je vais utiliser prochainement. Parce que là, c'est des trucs qui font vraiment hiver, quoi. J'ai un petit gilet à franges aussi. Franchement, je ne vais pas y mettre maintenant. Donc, hop, on va faire comme ça. Voilà. On sait que les prochains vêtements à prendre vont être là. Donc ça, je vais le mettre en haut. Voilà. Ah oui, ça, de l'autre côté, c'est des Adidas que ma fille ne met plus parce que ça y est là. Ah. Oula, j'ai tapé ma montre. Hein. Déjà qu'elle n'est pas contente qu'il n'y a plus de batterie. Ça, c'est une boîte qu'on y avait fait faire au travail à mon compagnon, pour ma petite Oune, pour ceux qui voulaient participer à sa naissance. Et elle a été faite exprès. J'ai gardé tous les petits mots à l'intérieur, il y a son prénom dessus. Enfin, je la garde, quoi, c'est trop mignon. Là, on a deux paires, je vous les montre comme ça. Hello Kitty, enfin Hello Kitty Converse et Converse basique. Donc ceux-là, il faut que je les lave. Je ne me suis pas encore occupée pour les garder, tout simplement. Là, on a une boîte vide. Ça fera une boîte de plus. On va le mettre de l'autre côté. Enfin, les petites boîtes, on va les mettre de l'autre côté. Déjà, de ce côté, on n'est pas trop mal. Hein. C'est juste en haut qu'on est dégueulasse. Hein. Ça, on va les mettre de côté en attendant. Là, j'ai, je vous montre, mais j'ai la boîte de mon écharpe de portage. Pareil, je vais la mettre à vendre. Il faut juste que je la mette dans sa boîte et que je vérifie qu'elle soit bien propre avant. Parce que voilà, on va pas vendre quelque chose qui est dégueulasse. Franchement, je pense que je vais vous laisser là. Je vais finir mon... Enfin, je vais quand même vous montrer. Donc là, on a 9 mois. Là, les 6 mois que je vais quand même continuer à lui mettre un petit peu. Derrière, on a le 12 mois. Enfin, 12 mois, j'ai un pyjama, quoi. Faut que j'en achète. Oui, mon petit cœur, j'ai fini. Oui, j'arrive. Bon, là, on a... alors, on reprend, excusez-moi. Là, on a les vestes, poncho et petit gilet fourré, là, comme ça, là. Là, on a les body 9 et 12 mois. Là, on a les trucs 9 mois et 6 mois. La 12, barboteuse, essentiellement avec un peu de robe. Derrière, des robes. Leggings. Et devant, les ensembles. Je pense qu'on est paré, là. Pour l'été. Et en bas, bien sûr, parce qu'on vient de faire, qu'on a vu ensemble. Là, c'est le zouk-zouk. Oui, en fait, c'est... Oui, si on veut. Là, j'ai des petits bandeaux. Alors, quand je les mets... Quand je suis sûre que je vais pas y mettre, je les mets dans mes cadeaux vintage avec les petits bavoirs, là. Vous voyez, quand on m'achète un petit lot, ben, je mets un petit cadeau. Là, c'est un ensemble que j'avais acheté pour une copine. J'ai jamais vu son fils atteint. Du coup, il est là. Le chapeau Marie. Ça, ça appartient à la poussette. Voilà. Là, elle a des petits jouets. Mais ça, je vais le faire hors caméra. Quoi. Là, il y a des bonnets, je vais les trier. Des tétines d'avance pour le biberon. Voilà. Des petits jouets encore. Donc là, je pense que je vais le faire. Et je vous montrerai peut-être au final ce que ça donne. Parce que c'est quand même sympa aussi de voir les tiroirs. Parce que là, c'est le zoo. Alors, attendez. Juste enlever son sac. Et en dessous, il n'y a pas énormément. Donc là, une moustiquaire, des attaches sucettes, mais elle prend pas de sucette. Là, j'ai quelques couches pour la piscine. Là, j'ai la boîte de mon truc, là, des couches qui me restent. Là, j'ai mes... Ça, c'est le best du best. Pour ceux qui allaitent, les coussinets d'allaitement de cette marque sont excellents. Je peux que vous les conseiller. Moi, je m'en suis servie tout le long de mon allaitement. J'ai allaité 8 mois. Impeccable. Enfin, franchement, c'est la meilleure marque que j'ai pu tester, quoi. J'en suis, mais il y a le nuit et le jour, parce que c'est pas les mêmes, bien sûr. Donc ceux-là aussi seront en vente sur mon Vinted prochainement. Parce qu'il faut que je les vende, quoi. Je m'en servirai plus, quoi. J'ai plus à l'été, quoi. Donc voilà. Donc ce que je fais, c'est que je finis le rangement sans vous. Ça sera plus simple.
Je vous montre une fois que c'est fini. Allez, à de suite. Allez, on est reparti pour la partie 3. Je vais vous montrer au final ce que j'ai fait en plus. Hein. Bon, y a pas... J'ai rangé en haut. Vous voyez, j'ai mis mon sac à linger avec les gigoteuses et les plaids pour quand on part en poussette. En bas, j'ai enlevé une boîte parce que du coup, je l'ai vidée. Tiroir. Alors, attendez, parce qu'il est un petit peu dur. En fait, j'ai juste rangé. Voilà, j'ai fait un tri dans les bonnets. Un petit chapeau, voilà. J'ai juste rangé. Voilà. Et en dessous, franchement, j'ai rien changé du tout, quoi. Enfin, pour le moment, je laisse comme ça. Voilà, je vais vous remontrer en global ce que ça donne au milieu. En haut, j'ai rajouté la boîte avec les articles d'hiver, pour l'hiver prochain, du coup. Comme ça, au moins, on est tranquille. Je vous montrerai pas derrière moi le zouk. Voilà, en bas, j'ai rajouté des chaussures, voilà. Là, je vais remettre la caisse avec les trucs qui vont trop petits, voilà. Et en bas, il y a les caisses. Les caisses vont jusqu'à là-bas, en haut, en fait. Voilà. Donc, dans tout ça, c'est de l'avance pour Serena, pour la petite tour. Donc, voilà. Je vais vous reprendre dans un cadre un peu mieux. Voilà. Je vais vous laisser là. J'ai du tri encore à faire parce qu'il faut que je vois ce que je vends, ce que je garde, tout ça. J'ai mon coussin d'allaitement aussi à ranger parce que je m'en servirai plus. Je vais quand même le garder encore un peu. On ne sait jamais si ça peut servir à une copine. Voilà. Ben écoutez, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Je suis contente d'avoir rangé au moins un placard. Il m'en reste deux. Je ne sais pas si l'autre je vais le faire aujourd'hui, franchement. Bon, il est que midi. Je vais aller manger avec ma fille. C'est pas la motive qui me manque, mais je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir un peu. Je vais essayer de monter cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir. Je mettrai mon Vinted en barre d'infos pour tout ce qui va être à vendre. Je ne le mettrai pas de suite, honnêtement. Peut-être dans la semaine, mais vraiment pas de suite. Voilà, parce que j'ai encore plein de choses à faire. Mais n'hésitez pas, vous pouvez laisser un commentaire, un j'aime, c'est avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous!